la plus vendue des berlines BMW, revient dans une toute nouvelle génération. La nouvelle série 3 arbore le look qui fait son succès depuis tant d'années, mais elle évolue notamment en termes d'équipement et de conduite autonome. Notre modèle d'essai, la 330i M Sport, dispose d'un moteur de 3 litres développant 256 chevaux. Il fallait un écrin digne de son rang pour la tester, c'est pourquoi nous l'avons menée ici dans le Nord, au Lux Grand Gobe. Reportage. C'est sans doute la berline premium que l'on croise le plus souvent sur les routes mauriciennes. La BMW série 3 se renouvelle. Cette nouvelle génération est d'ores et déjà disponible à Maurice. Le constructeur allemand n'a pas le droit à l'erreur sur cette auto. Il lui faut évoluer tout en gardant les spécifications qui font le succès de cette voiture pour ne pas dérouter la clientèle. Le défi moteur a pris le volant de la version 330i M Sport. Il fallait un écrin digne de ce nom, c'est pourquoi nous avons emmené cette berline dans l'enceinte de l'hôtel Lux Grand Gobe, dans le nord de l'île Maurice. Au niveau stylistique, la nouvelle BMW série 3 évolue en douceur. Pas besoin de réfléchir bien longtemps ou de l'analyser sous toutes les coutures pour se rendre compte qu'il s'agit d'une BMW. Sur la face avant, d'abord, la calandre ne laisse aucun doute sur la marque de la voiture. Si cette calandre semble à première vue fermée, la grille s'ouvre automatiquement dès que le radiateur en a besoin. Les phares prennent du caractère. Le bouclier arbore des lignes sportives, tout comme le capot, avec ses quatre nervures. Le profil de la BMW série 3 n'évolue guère par rapport à celui de sa devancière, si ce n'est en matière de dimension, avec une longueur de 4,71 mètres. Le capot est long, ce qui permet de loger un moteur à 6 cylindres. Mais notre modèle d'essai dispose d'un moteur plus petit. On abordera le côté technique un peu plus tard. Pour conclure sur le profil de l'auto, on apprécie particulièrement ces jantes de 19 pouces dont les fines branches laissent apparaître les larges disques de frein. C'est à l'arrière que la nouvelle génération se distingue le plus de la précédente. Les phares s'assombrissent et s'affinent, et ça lui va bien. Ces nouveaux feux donnent un aspect plus sportif à la voiture. Ce côté dynamique est souligné par la double sortie d'échappement de notre modèle d'essai. À l'intérieur comme à l'extérieur, pas de doute, on est bien dans une BMW. Le style premium germanique est au rendez-vous. Les finitions sont bonnes et le confort est omniprésent. Les matériaux sont de bonne facture. L'instrumentation est tournée vers le conducteur. Si un écran tactile destiné à l'infodivertissement est placé au centre du tableau de bord, notre modèle d'essai ne dispose pas de compteur 100% numérique. La navigation dans les menus de l'infodivertissement se fait facilement, directement sur l'écran tactile ou à travers la molette placée sur la console centrale, à côté du levier de vitesse. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière, les passagers sont confortablement installés. Néanmoins, la meilleure place reste derrière le volant. C'est du moins notre avis. Justement, il est temps de démarrer le moteur à 4 cylindres. Notre modèle d'essai affiche une cylindrée de 1,5 litres et une puissance de 258 chevaux, grâce à l'apport de 2 turbos. Ce bloc sait se montrer dynamique. Les accélérations sont franches, sans pour autant être trop importantes, du moins en mode confort. Cette BMW 330i M Sport dispose de 3 modes de conduite, confort, éco et sport. Il suffit de passer en mode sport pour entendre davantage les deux sorties d'échappement et pour avoir encore plus de vélocité. Essayons le mode sport. On entend le moteur ronfler beaucoup plus dans l'habitacle. L'accélérateur est beaucoup plus sensible. La direction également. La voiture ne demande qu'à rugir. Il faut 5,8 secondes à la BMW pour passer de 0 à 100 km/h. La boîte de vitesse automatique compte 8 rapports. Elle peut être pilotée en mode séquentiel grâce à des palettes au volant. Rien de tel pour baisser un rapport quand on a besoin d'un supplément de couple. Le châssis de cette nouvelle génération a été retravaillé pour notamment abaisser le centre de gravité et apporter plus de rigidité. En conséquence, la tenue de route est très bonne. Ce châssis est bien aidé par une direction précise et un freinage efficace. Les amortisseurs sont fermes, ce qui nuit au confort, surtout avec ces jantes de 19 pouces. Notre BMW prend donc le parti du dynamisme et du style plutôt que celui du confort. Il est difficile de mettre cette berline en défaut, notamment grâce aux aides à la conduite.
Imaginons que comme ici, vous vous trompiez de chemin. Vous vous retrouvez dans une impasse. Vous ne savez pas trop comment sortir parce que la route est un peu étroite. Rien de plus simple. Enclenchez la marche arrière. Appuyez ici. Et vous n'avez plus qu'à gérer l'accélérateur et le frein. La voiture fait le reste. C'est-à-dire que la voiture a mémorisé les 50 derniers mètres qu'elle a fait en marche avant. Et les reproduit mouvement par mouvement en marche arrière. Je ne touche pas au volant. Et me voici sorti de cette impasse. La BMW série 3 ne devrait pas voir son succès baisser avec cette nouvelle génération. Elle arbore un style sportif, du moins dans cette version 330i M Sport, et dispose de sérieux atouts techniques et technologiques. Seuls ses amortisseurs fermes peuvent lui faire défaut. La BMW série 3 est disponible chez Lil & Co en prix de lancement à partir de 2,39 millions de roupies. Quant à la version 330i M Sport, ses tarifs débutent en prix de lancement à 2,99 millions de roupies.